Alors moi c'est Mathieu, j'ai 42 ans, je suis responsable du recrutement au FC Nantes depuis une quinzaine d'années. J'ai été recruteur pour le club en Île-de-France pendant 5 ans et donc maintenant j'ai la responsabilité du recrutement sur la partie nationale pour l'académie du FC Nantes. Un gros tiers de mon travail c'est de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire venir voir des joueurs, observer les joueurs. Aujourd'hui le plus dur c'est pas toujours de trouver les joueurs, c'est aussi de les convaincre de venir chez toi. Donc une grosse partie de mon boulot c'est de les convaincre et de les faire signer. Et puis après il y a toute une partie suivie du joueur une fois qu'ils sont à l'académie. Donc les suivre au niveau de la scolarité, suivre leur entourage, gérer les agents, etc. Donc voilà un petit peu ce que je fais donc, au quotidien. Les joueurs que je fais signer aujourd'hui ne sont pas forcément les joueurs que je faisais signer il y a 15 ans. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai été obnubilé que par le joueur de foot. Sauf qu'aujourd'hui, les gamins ils vivent avec nous en centre de formation. Il y a une scolarité, il y a un cadre, c'est très dur, c'est long. Il faut être endurant mentalement. Donc aujourd'hui, la partie humaine du joueur et la partie athlétique sont aussi importantes, au moins aussi importantes que ce que le gamin a dans ses pieds. Donc on regarde nous, forcément le joueur de foot, mais aussi l'athlète et aussi l'homme, ce qu'il a au fond de lui, comment il est entouré, quelles sont les valeurs à la maison, parce qu'un joueur c'est un tout. Moi aujourd'hui c'est une partie de mon job aussi, c'est de mettre en alerte les parents sur le fait qu'il y a 90% d'échecs. On les met en alerte sur plein de choses, sur les réseaux sociaux, sur les agents, sur comment gérer un garçon qui est appelé en équipe nationale avec tout le mal que ça peut leur faire aussi parfois. On aborde tous les sujets. Moi j'ai écrit un bouquin là-dessus il y a 5-6 ans. On n'a rien à cacher au FC Nantes. Moi à 35 ans j'ai écrit que Riyad Mahrez, je le connais depuis ses 18 ans, que je l'ai amené chez moi à Quimper et que j'y ai pas cru. Qu'aujourd'hui il est au plus haut niveau. Voilà, je pense qu'au FC Nantes on est humble, on est lucide, on dit pas qu'on est les meilleurs, mais on est loin d'être les moins bons. Et on sait que le joueur peut être partout, à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Bah, sincèrement, c'était très bien organisé déjà. Après, j'ai trouvé que l'équipe était équilibrée. Pour des garçons qui se connaissent depuis une heure et demie, j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, c'était sérieux. Bah, d'ailleurs, ils ont gagné. J'ai trouvé des gamins super appliqués. Les consignes étaient claires. Voilà, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Mais j'ai aussi vu des choses apparaître dans le jeu. Ça veut dire que le recrutement a été bien fait. Voilà, on a des garçons intelligents. Puis le plus important pour moi, c'est aussi que les garçons aient le sentiment d'être vus. Mon discours, c'est toujours donnez-vous les chances d'accéder au plus haut niveau, mais en étant lucide. Ça veut dire que, et c'est ce que je leur ai dit au bout de 2 minutes dans le vestiaire, je leur ai dit qu'il y a 90% d'échecs en centre de formation. Et nous, on le martèle à nos jeunes. Voilà, on leur cache rien. Pour moi, il n'y a pas de risque à venir en centre de formation à partir du moment où les règles sont claires. Voilà, la seule chose que moi, je peux vous donner comme conseil, je dis toujours, vous allez rater des passes, vous allez rater des contrôles, vous allez peut-être rater des pénaux, j'en sais rien, vous allez rater des choses, même au plus haut niveau, ils ratent des choses. La seule chose que vous avez peur de rater, c'est de revenir ici à la fin et de ne pas être fatigué. D'accord ? C'est juste de tout donner. Ok ? Nous, on n'a pas la prétention de pouvoir être partout chaque week-end dans tous les clubs sur toutes les régions. Par exemple, nous à Nantes, on a ciblé que 4 régions en France. On a 8 recruteurs. Voilà, ils ne peuvent pas se dédoubler. Il n'y a que 52 week-ends par an. Donc à un moment, ça peut nous ouvrir des portes aussi, de donner accès à des joueurs qu'on ne connaît pas ou à des niveaux de joueurs où on n'a pas le temps d'aller. Puis moi, je suis né en 1980, mais je serais un gamin né en 2008 ou en 2007 ou en 2009. J'aurais sûrement aussi une profil sur ton sœur. Donc je comprends. Donc je ne leur dis pas que c'est une fin en soi, que c'est la solution pour devenir pro un jour, mais c'est une des solutions en plus et qui est nouvelle pour avoir un maximum de chances d'être vu. Par exemple, je vous prends le cas de l'Île-de-France, on a 4 personnes sur l'Île-de-France. Chaque week-end, on part du principe que les gars voient 3-4 matchs. Ça veut dire qu'ils sont 4, 4 fois 4, 16, ils voient 16 matchs par week-end. Si vous prenez le nombre de matchs qu'il y a sur l'Île-de-France, rien que sur l'Île-de-France sur un week-end ou sur les Pays de la Loire ou ailleurs, forcément, mathématiquement, vous voyez bien qu'on ne peut pas être partout. Donc pour nous, l'idée, c'est d'avoir accès à des joueurs. On n'a pas la prétention de connaître tous les clubs, tous les joueurs de tous les niveaux. Et aujourd'hui, des cas comme Riyad Mahrez ou N'Golo Kanté, qui jouent encore au niveau district pendant longtemps, jusqu'à 16-17 ans, nous montre que forcément il y a des joueurs à un moment qui passent au travers de nos mailles et c'est ces joueurs-là qu'on cherche aussi.